Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Tempo d'actualité. Et pour ce nouveau numéro, nous avons invité M. Patrick Makanga. Et c'est avec lui qu'on va essayer de nous entretenir sur le gouvernement Samadou. Déjà, je m'en vais vers lui pour lui dire bonjour. Bonjour Madame Laetitia. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Monsieur Patrick, êtes-vous un homme politique ou un acteur politique? Bon, ce qui est vrai, nous risquerons de tomber dans une situation de définition des concepts, en fait. Vous voyez, acteur politique, oui, je suis un acteur politique. Moi, je pense que j'aime bien porter l'étiquette d'un homme d'État. Mais je suis un acteur politique parce que je suis un cadre dans un parti politique. Ici en RDC, je suis de l'AFDCE allié du professeur Modeste Mbati Lukwebo. Pourquoi je n'aime pas porter la casquette d'un homme politique? Parce que la différence d'un homme politique avec un acteur politique, c'est surtout lié au fait que un homme politique, lui, travaille pour les élections à venir. Mais un homme d'État, lui, travaille pour le devenir, pense et réfléchit au devenir de la nation. Quelle est la solution, soit la pierre qui doit être portée à l'édifice du devenir de notre pays. Voilà. Raison pour laquelle je n'aime pas trop me prévaloir avec la casquette d'un homme politique. Malgré le fait que je sois un acteur politique, j'aime bien porter la casquette d'un homme d'État. Voilà, parce qu'on réfléchit État, on réfléchit population, on réfléchit bien-être. On aurait appris que vous serez le futur député. Qu'est-ce que vous nous apportez d'innovant? Bon, jusqu'à présent, merci beaucoup. D'abord, de la source qui vous a fait apprendre cela. J'ose croire que nous dégageons déjà des énergies dans ce sens-là. Mais néanmoins, je dois dire que je suis un potentiel candidat député national parce que on s'est dit qu'on doit potentiel essayer... par rapport à vous. Oui, bah, je suis potentiel parce qu'il n'y a pas encore, on n'a pas encore, la CENI n'a pas encore ouvert ce bureau pour réception, traitement des candidatures. Donc, je suis un potentiel candidat parce que je réponds aux critères sur le plan constitutionnel. Donc, j'ai cette possibilité et j'en ai eu aussi à parler avec deux ou trois personnes avec qui j'ai eu à partager cela. Donc, je pense qu'on peut apporter un plus. Pourquoi? Parce que la députation dans notre pays, c'est devenu comme un phénomène où des gens viennent pour d'abord ils y accèdent par le biais de construction des petites passerelles dans des rivières, à jeter des petites passerelles sur des rivières, à distribuer des polos, à distribuer des bassins pour le pain et autres, distribuer quelques billets de banque. Et vous ne le faites pas. Donc moi je pense que nous devons un peu changer les paradigmes. Hein, on doit un peu changer ces phénomènes et puis ils accèdent dans des manières dont je vous l'ai dit. Et puis une fois sur place, ils ne sont redevables que leur compte bancaire qui ont eu à souffrir parce que c'est par ces comptes bancaires qu'ils ont eu à faire sortir de l'argent à donner pour y accéder. Et une fois sur place, ils sont là dans autre chose que le bien-être des gens qui leur ont fait confiance. Ils sont en dehors du quotidien des gens qui leur ont donné mandat. Raison pour laquelle moi je pense qu'on doit essayer d'y accéder pour changer de paradigme. Un député, le rôle d'un élu du peuple, et c'est lui d'amener les desiderata des gens qui lui ont fait confiance en les transformant en loi et veiller sur sa promulgation et son application par le gouvernement pour que les gens qui lui ont fait confiance puissent avoir des solutions qui vont durer dans le temps. Hein, parce que si vous donnez de pain aux gens qui vous ont élus aujourd'hui, ouais, vous leur donnez des habits, le pain fini, les habits se détériorent avec le temps. Ouais. Mais quand vous apportez des solutions sur base des propositions des lois, cela perdure dans le temps. Vous ne pouvez ne pas être là, mais les gens garderont de vous un bon souvenir. Pourquoi? Parce que les résultats qu'ils vont palper du doigt
les rappelleront que non, il y a eu un Patrick Makanga qui est passé à tel endroit, oui, dans une telle période, qui a travaillé et nous avons telle solution. S'il y aura un autre député qui viendra, il travaillera, qui apportera encore une autre solution, c'est comme ça qu'on va entrer. Nous allons nous mettre dans le processus de l'amélioration des conditions de vie, de bien-être, tout en forçant le gouvernement à focaliser son action dans le desiderata, ainsi que le bien-être de la population dont il est l'émanation, surtout que nous sommes en démocratie. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Est-ce que vous savez que votre population n'a pas vraiment atteint le seuil de 100% qui comprennent bien le français? Parce que je ne sais pas, lorsque vous descendez sur vos bases au Kindaka, français, milaï, lokola, bato yo balekaki. Parce que là, vous venez de nous dire que vous apportez des solutions à la population par rapport... Nous allons. Nous a... dans les affaires. Mais nous vous attendons que vous puissiez un peu rassurer. Ba maman oyo, ba zota la biso, to ba oyo ba kota la biso, ba oyo ba kolanda biso, avec de mots lingala, exprimant ce que vous allez apporter dans le futur pour que vous ayez un peu beaucoup de gens qui vont vous voter. Nalolenge baloba ete monoko ya koloba ezali ko dépendre na audience ou ezali boso na yo. OK. Voilà. Ezali ko dépendre na bayo yo ba ko kayo, sinon on va bien dans le poto langue ezangi si ezangi mungwa na yango. Ouais. Donc maloba toloba keza a fonction ya bayo ba kolanda. Nango wana na maloba nanga ici il faut na bandela. Ouais. Maloba qui était esengé na biso to bongola makambo na mai matali bapo bapo nami. Parce que député azalite moto akabola kalipa akabola kelamba tango akomi batango boko voté ye akeyi azwe baté loko ye fo asala. Biso tolingi tokota na monde wana ezali pona pe entre autres sensibilisation na ba ezana na ba congolais na ba potentiel candidat na ba collègues tozala kala bango dans les jours à venir, dans les jours futurs. Ouais. Na ndenge te député azali moto yo azwaka ba problème yesika ba vota ki a baloli yango na mibeko a proposé yango na gouvernement et a komi kolandela maintenant exécution ya mibeko wana. On a été bateau, bah pensa qui est bah plainte na bango, bateau bah vota qui est mono bah bien le poto amélioration na bah condition de vie na bango. Député azalité moto a pensa kali putai, a pensa polo, a pensa mongo, a pensa basse à mapa, a pensa Thompson, a pensa fufu, a pensa losso. On les a mis au salaire à mopo ya mopo na mité moto a ponami et pas à peuple. Il fonde ati a bongo na ye po na ko balusa na mibeko ba posa ya batu oyo ba pesa ki e confiance. Donc tant on va voter ye a balusi yango mona député face à mayele député face à la kamutute improvisé parce que ataki makelele a ganga ki a bunda ki a finga ki a bimisa ki mbongo a bwaka ki mon liko député face à d'abord on a le poto ba bengi matière grise po na ko balusa posa ya bato ba voter na mibeko e ko pesa mokonza mboka a promulguer une fois promulguer maintenant a komi kolande l'exécution na yango po anenda ezande na nzela wana changement e kozala senti no to bengi na ngonga bambula na bambula tayo kufilelo ba bando ba bando ko rezona kayo moko na mokolo po na misalo yo salaka en tant que moponami na période moko bien déterminée likanisi lili ya sika papa Patrick poto moni kozolo ba mwa mingi. Oh yo zo memela baimboka ya Congo to na base na yo eloko nini yo zo rassuré bango na sika okopesa polo te oui okopesa mbongo te oui okopesa pe ba santé mais okosunga bango na lolenge nini na mikolo ekoya likambozali te mama Laetitia Kande na pesala déjà nazala kana ese na ngai moko abenga honnête Le poteau a bengi et c'est un gars qui a été
Bon, on a le pot expérience moko ya moké na ça. Par exemple, imaginez-vous. Toza na ba wenze na ba quartier na biso. Oui. Toza na ba wenze na ba quartier na ba commune. Bon, tongo na commune parce que commune des fois ils ont ba subvention ou taka na gouvernement central par biais hôtel de ville. Mais ba quartier na biso. Tout monde que toza na ba quartier oh et fonctionne quartier chef de quartier fouta ma quartier. Pour nous, parce que à un fonctionnement et permettre le bureau à quartier fonctionner. Tous les chefs d'avenue, oh bah on dit monsieur, ils en a quatre avenues. Par exemple, on dit à Pascal, ils en a quatre avenues. Maintenant, quelles sont des redevances mises en place pour nous permettre le fonctionnement du bureau du quartier, pour permettre le fonctionnement y a chef d'avenue par exemple. Parce que la plupart y a bas chef d'avenue, dans quatre par exemple des colocons, va foutre à Makaté. Ma chef de quartier, Mingi, va foutre à Makaté. Maintenant, ceux qui tu es dans mon bec, comment on peut créer un système net, il y a des redevances, il y a des marchés, il y a des communes, il y a des biseaux. Parce que l'avenir a un fonctionnement. Vous ne pensez pas qu'il y a déjà des éléments majeurs, ça, qui ont été sautés dans la carte, ça va venir, malgré qu'il y a des centres commerciaux dans la carte, il y a des avenues, dans la carte, il y a des quartiers. Boti en place mais mon bec au moko ma kamboze ben ngo tandanyo sauté parce que et tant de kepes à maman et belle ba to kozo ango ba komo sala ngo ya bango tout ça du soir. Par exemple, sur tout mon bec au moko pour économie pour banda ko imposer par exemple marché de la liberté, étant donné que ba activité tout autour il y a marché de la liberté zali ko bébi ça fonctionnement à quartier. Maintenant marché de liberté faut déverser à kana quartier nous hommes par exemple moi son moko boya montant pour ko financer ba projet assainissement na maimatali ba déchets solides et puis ba évacuation ba eau pluviale ba ko bando to ngam sur chaque fin du mois par exemple ce qui marche à liberté ba ka moi $1000 chaque fin du mois $1000 ko to quand même quelques mètres à caniveau to bon le to ba na venir lonzo le bon na to ken avenir le sang le bon na to ken avenir tembe to ken avenir kwilu boko kende fatundu ainsi de suite. Alors surtout ça lié sous 2 ans tout le monde a 2 ans, on a chaque avenue, on a un caniveau pour l'évacuation, on a un pluvial. Et on a un dépôt dans Bango, transit, pour la Maïmatali, bah, déchets solides, au moins, il y a un carton, et qu'on fonctionne très bien. Parce que le lobe fonctionnement, bah, Zébélé, par exemple, comment vous créez, comment à la base, la prolifération, bah, insectes, hein, de tous genres, où ils ont un vecteur, il y a une maladie, kili-kili, bah, malaria, bah, fièvre typhoïde. Voilà un peu, bah, Maïlo et Sengé, on tient en place pour améliorer. Vu que quotidien, il y a Bayo, il y a Bakopé, ça a confiance. Il y a un monde qui est comme en Italie, école au Congo. Parce que, regardons, Bato ba tiaka salité, ce ne sont pas des autorités. Ils ont été pas Baïmboka. Les gens sont dans le quartier, terrassé ça, wana. Caniveau est ça. Mais au moins, il y a préféré boire un maïne et une salité, il y a un peu de pain. Dans le lingue, il y a un peu de pain. Non, mais. Tant que Balabaka était l'État, Zali, pouvoir public. Pouvoir public, le rôle de Zali à remettre ordre. Et puis à imposer à moi. Soki, l'État, Zali, par Naye. Il y a aussi ce qu'on appelle la période de la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population. Il faut qu'on renforce l'éducation sur le plan moral et civique et moral. Vous voyez, l'État a toujours un rôle à jouer dans ce sens-là. Parce que. Na banza été na ba makambo tromu komona lo ya rotonde samayi na gauche ba mayi komi kotonda na gauche ba mayi komi kotonda na droite les couleurs plastiques déjà to komi ko comprendre que le fait akoboaka ba déchets non na balabala ba plastique et autres et to komi le komi ko rattraper biso romo na été déjà bloqué à bon ceux qui l'état était déjà ordre moko to banza été population akolanda. Imaginez-vous na venait to yo vandi par exemple et puis ceux qui ont vandi commune une chose na venir avenue oyo yo vandi. Vous avez combien de poubelles, poubelles publiques? Il y a exactement combien? Ils ont encore 4. Dans le boulevard Lumumba, il y a quelques poubelles publiques, tout le monde a été. Et comme des fois saturé, donc pour dire que l'État a un rôle à jouer, mais il faut mettre en place des mécanismes pour que ce travail-là puisse se faire. Merci beaucoup, M. Patrick Makanga. Bientôt. Parlons à présent de notre sujet. La sortie du gouvernement Samadou, est-ce l'union sacrée demeure soudée ou il y a encore des problèmes à régler? C'est un enjeu ou une perspective? Non, ce qui est vrai, on a toujours dit que nous sommes parmi ceux qui enseignent la cohésion. Ouais. Nous sommes parmi ceux qui enseignent le fait que l'union sacrée
doit être un bloc inextricable de tel enseignement que nous puissions laver nos linges sales à l'interne pour que nous puissions garantir une sorte de cohésion autour du centre de l'État. Parce que l'Union sacrée, c'est un bloc qui a été formé autour du chef de l'État pour des valeurs d'un État de droit, pour le respect de principes, dans le sens que la population doit être au centre de toutes les actions politiques. Donc cela demande une sorte de cohésion au sein de l'Union sacrée, malgré le fait que nous sentons qu'il y a des guerres entre nous au niveau interne au sein de l'Union sacrée, une chose qui ne favorise plutôt des choses qui ne vont pas favoriser les choses en faveur de notre candidat commun que nous avons choisi, tel que nous, de l'AFDC Allié, avions déjà choisi par des instances habilitées. On a publicité la candidature de l'actuel chef de l'État. Donc, pour dire que nous avons encore un parcours à faire, nous devons enlever en nous ce climat de méfiance entre nous, parce que nous, de l'AFDC Allié, on constate que. Il y a toujours, nous, au sein de l'Union sacrée, il y a certaines personnes qui ne travaillent maintenant que pour déstabiliser l'AFDC Allié. Nous leur avons dit tantôt que nous n'avons pas eu des ambitions, nous n'avons jusqu'à présent pas des ambitions au niveau de la présidence et que nous travaillons pour la réélection de l'actuel chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, vouloir déstabiliser AFDC et Allié, c'est en quelque sorte, d'une manière indirecte, c'est déstabiliser le chef de l'État. C'est comme si on veut priver le chef de l'État, on veut nous priver des moyens pour faire élire le chef de l'État. Raison pour laquelle nous enseignons la paix, la cohésion. Nous voulons à ce que soient éteintes toutes les tendances voulant à créer des guéguerres internes au sein de l'AFDC, non parce que non plus sous-armés, AFDC alliés, c'est indirectement une façon de combattre les chefs de l'État. Et c'est comme si vous voulez donner à AFDC alliés le moyen, vous voulez donner à battre le couple de moyens de nuire aux chefs de l'État, il va les nuire sur base de quoi? Parce que nous, de l'AFDC alliés, il vous souviendra que pour, par exemple, faire partir le bureau Jeannine Mabunda, nous avons pu réunir 281 signatures, dont l'AFDC Allié a contribué à 86 signatures. Nous avons eu à donner 86 signatures pour que le bureau Mabunda puisse tomber. Alors, si on voulait combattre le chef de l'État, on ne donnerait pas notre 36 signatures. Pourquoi ? Parce que si vous faites 281 moins 36 signatures, on n'a pas la majorité. On est en dessous de la majorité au niveau de l'Assemblée, parce qu'on est en dessous de 250. Mabunda n'allait pas tomber. Ce n'est pas maintenant qu'on va apprendre à combattre le chef de l'État. Moi, je pense que les gens tout autour de nous, au sein de l'Union sacrée, des gens qui partent raconter des choses pour essayer de déstabiliser l'AFDC Allié, ils doivent savoir qu'ils sont en train de combattre indirectement le chef de l'État, parce que nous avons opté. Nous avons pris l'initiative par des organes statutaires. D'ailleurs, nous étions le premier regroupement à se prononcer dans ce sens-là pour la réélection de l'actuel chef de l'État. Vous avez parlé de méfiance. Donc là, on comprend qu'il n'y a pas un climat de paix, il n'y a pas une bonne ambiance. Non, au sein de l'Union sacrée. Si on doit être le plus sincère possible, on doit être que non. L'AFDC Allié aujourd'hui est diabolisé. Comment? Notre parti, le regroupement politique et notre autorité morale sont aujourd'hui diabolisés par certaines personnes qui, je ne sais pas, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils vont gagner en voulant déstabiliser l'AFDC Allié, en voulant priver à l'AFDC Allié ce qui lui revient, ce qui lui revient de droit. Je ne sais pas, ils gagnent quoi pendant que l'AFDC Allié travaille pour la réélection de l'actuel chef de l'État. Le plan stratégique de l'Union sacrée par rapport aux élections à venir. Moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours dans la suite logique. Moi, je pense que il serait mieux que nous puissions un peu faire taire d'abord des bruits au niveau interne, au sein de l'AFDC Allié, plutôt au niveau de l'Union sacrée, que les gens arrêtent d'en vouloir à l'AFDC Allié. Les gens arrêtent à vouloir à chaque fois
à chercher à nous pousser dans la faute, parce que nous sommes aussi des humains. Parce que les gens ont tendance à vouloir nous pousser dans la faute. Non, non. Nous sommes déterminés à faire élire notre candidat président de la République, raison pour laquelle il y a la sortie officielle de l'Union Sacrée, qui du reste était prévue pour le samedi, le 22, ouais, qui a été repoussée le 29 avril, du mois en cours. Je pense que vous serez parmi nos invités aussi. Merci. Ouais, le 29 avril, il y aura la sortie officielle, parce qu'on avait pris l'option d'émigrer vers une plateforme électorale, parce que au départ, maintenant on a migré vers une plateforme électorale. On a déjà mis en place le présidium composé de 6 personnes que vous connaissez très bien. Mmh. On est déjà en train de travailler nos bases, on est en train de structurer, mettre en place de différentes cellules. Vous avez vu, si vous avez eu à parcourir la charte de l'Union Sacrée, vous verrez que nous nous sommes organisés même au niveau des provinces. Ouais. Hein, au niveau des provinces, on aura des conseils provinciaux pour essayer de donner encore beaucoup plus du tonus dans l'action du chef de l'État. Oui, et, merci beaucoup, monsieur Patrick. Pour qu'il soit, permettez-moi d'atterrir, ouais, ouais. Oui, donner encore tonus à l'action du chef de l'État et enseigner aux gens l'homme idéal que nous avons aujourd'hui, l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat, les candidats de l'AFDCL, les candidats de l'Union Sacrée aussi par Ricochet. Vous avez parlé de l'AFDC, l'Union Sacrée, je ne sais pas, il y a une relation, il y a une, comment je peux dire, une union entre vous, je ne comprends pas, vous soutenez le président de la République que nous sommes. Si les journalistes aussi soutiennent le chef de l'État. Pourquoi pas? Quelles sont les attentes maintenant vous êtes de la population sacrée aussi. Non. mais en tout cas, on a besoin de ce genre de soutien. Hein. Merci beaucoup. Et quelles sont les attentes de la population? Parce que, je fais ça. Mais quelles sont les attentes de la population? Et là, on est ici. Pour été que dans les jours à venir, les choses vont s'améliorer. Banzele et Kobonga, Tokokoma Kolia Malamu, Tokotambola Malamu, il n'y aura pas des autorités, Bango, et la population continue à sombrer dans la pauvreté. La meilleure action politique, où soit l'action politique idéale, c'est de faire en sorte que le peuple soit au centre des intérêts. Alors, de par les actions de l'actuel chef de l'État depuis l'avènement du gouvernement de l'Union Sacrée, ouais, nous avons senti cette volonté ferme et manifestée pour un lendemain meilleur de notre population. Entre autres, il y a projet de développement là-bas, 145 territoires. Oui. Projet de développement à la base. Et qu'on permette et résoudre un premier délai. Parce que ça entre dans le social de la population. Ça attaque le problème social de base. Parce que tant que tu as le problème social de base, les alignes autres temps à Kolia, ils ont d'abord Kolia Komila, tout le canoë, parce que je vais t'expliquer, il y a l'accès aux soins de santé, ouais, il y a l'accès à l'éducation, il y a les moyens de transport, vous voyez. Il y a les moyens de transport, les communications, il y en a tant d'autres, vous voyez. Il y en a tant d'autres, et puis le développement, l'indice de développement humain aussi. Donc, développement humain. Maintenant, à l'aide d'un projet de développement 145 territoires, ça va permettre d'abord, parce que nous avons un projet des alliés pour créer, il y a réhabilitation, puis création, il y a un réseau à ce cas, par exemple, il y a un route de dessertes agricoles. Parce que des problèmes que nous avons en Ambo Campus à la Mine, les accords, tu as la difficulté à relier petits points de production vers les centres d'échange. Hein? Les centres d'échange, tu as centres urbains. Ouais. Les petits points de production sont par exemple nos villages. Tu vois? Ouais. Quand on relie nos villages à des territoires, nos territoires vers les villes, ouais, donc c'est déjà la réussite. Parce que départ, nos us et coutumes, les Congolais sont amis, ils ont terre dans le village de Mission. Nous avons beaucoup, une bonne partie de terres arabes. Alors, la terre ouana, ce qui nous, les gens sont villageois, ils sont dans le village de Kolo, dans le village de Kassa, dans le village de Kassa.
dans le monde du village Kassa, on a qui Tikango na Bulungu en bonne et due forme et que Kolongo Bulungu en bonne et due forme pour y atteindre pour un peu centre urbain et c'était ça ça. Et bien que les villageois vont se retrouver non parce que plutôt dans l'ONI na tête qui manioc mangai ya fufu na zumbo on a mis au permettre ça na foutre là-bas mangai classe c'est là si na foutre là-bas mangai bongo ya malade ceux qui va belli. Et puis, je vais vous conduire à Malamouté, au moins à Batoumengi, au Bokozon, à Nini, à Milanga. Mais on a maintenant un projet de 145 territoires, et ça pour relier, mais ça pour permettre d'assurer le réseau au Wana. Pour relier nos unités de production vers les centres. Les centres. Les centres. Que tant que le tourner le mot tourner à Kobaete, quelle est la. Quelle est la population à se retrouver dans le dernier. Voilà la politique déjà mise en place. Pour que les gens puissent avoir davantage confiance, pas que les gens puissent avoir davantage confiance. Et d'ailleurs, il y a un peu créé exode rural. Ah, on a qu'à à Kinshasa. Oui. Parce qu'au village, les jeunes commençaient à chômer. Pendant que les jeunes villageois datant, ils ont étendu à Bilanga, à Bimaka, à Bassak, à Foufou, à Bassak, à Massangou, à côté de Kabo, à Est. À Nangombe, à Biloko, à côté de Kabo, à Teke, à Teke, à Zoukou, à produit, Kinshasa, à Mzou, à vacances, à visite. Mais vu que Banzélé a sous-souté à évacuer le couvert, ma unité, ma petite unité de production, voilà. Des salités, ma jeune, ma jeune, ma jeune, ma migré, ma jeune, ma surtout ma équateur, parce que c'est ma province agricole, ma équateur, ma jeune, ma migré maintenant vers Kinshasa pour faire des petits boulots, monsieur, ma porteur et autres. Et puis, la vie à Kinshasa, na démographie, le problème démographique au côté de et qui a comme conséquence ces délais. On a bien perméabilisation à sol, malotissement, mon combo est anarchique, pour créer ma carte, ma faubourg. Donc, ça a abîmé presque les tissus sociaux à la carte écolo. Il y a un projet de 145 territoires, et ça, parmi ma projet, mon combo permettre à ce que, et vous permettre réhabilitation. Il y a un tissu social, parce que même nous, là, nous avons une cravate dans la tête de la veste. Ceux qui ont le village, tous ont la terre, le village, ils ont la terre, ils ont la maille et autres. Ceux qui ont le comité dans le village, ils ont la tête. 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 Ils Il n'y a pas mon compte en boca. Compte tenu, il va poser un développement où il y a un peu de temps. Mais il y a réhabiliter le tissu social. Je vous donne quelques secondes pour répondre à cette question. Au lobby, nous soutenons le chef de l'État. Au lobby, que ceux qui sont ici, ils sont là. Il y a des raisons pour soutenir mon compte en boca. Yamboka. Entre autres, nous avons un projet de développement 145 territoires où nous allons commencer à développer où à la base. Yo, Nandimi, na lobby si comboy. Tous ceux qui na gouvernement, ça m'a aidé. Résultat, ceux qui négénin. Yo, pour répondre en quelques secondes. Si quand tu commences à ça m'a aidé. Résultat, ceux qui allent négénin parce que bientôt nous serons déjà dans la période, voulais-je dire, électorale. Ma peau na miezoya kalaté. Donc, le gouvernement, ça m'a dit. Un conseil pour ma union soana. Les résultats n'y est pas si. Le gouvernement, ça m'a dit. Ce qui est vrai, si on part de l'évaluation au gouvernement, ça m'a un gouvernement, ça m'a dit, je pense que ça nous prendra beaucoup de temps, surtout que le PSNA est basé comme. Je te dirais d'emblée que, et au gouvernement, ça m'a un. Et au gouvernement, ça m'a deux. Tous ce gouvernement ont l'obligation des résultats. Nous, je parle en tant que membre, il y a union sacrée. Ouais. Je l'ai dit devant votre caméra que le gouvernement a l'obligation des résultats. Ils doivent nous donner des résultats escomptés et tant attendus. Mais néanmoins, on doit dire que le gouvernement Sama 1
a quand même donné des résultats, entre autres sur le plan économique. Tout le monde a qui stabilisation à quatre macroéconomiques. Tout le monde a qui était moyen nabiso. L'économie d'Afrique, tout ça au-dessus. Il y a bah écolo et belé la carte d'Afrique. Donc tout ça en moyenne, moko y a l'écolo, écolo et belé la carte d'Afrique. Mais biloko est ça quand même. Bah oui, la population c'est plus. Là c'est vrai. Biloko est ça comme matin, non. Donc, comment est-ce que. Dollar, tu es en 2019. Combien de dollars? Ma production pour qu'on diminue même la quantité d'importation. Un mot de la fin, parce que les temps c'est de l'argent, donc yo mo koyebi na betando ike na biso to zara toujours na problème yango. Et là qu'on a ce problème non mi ngeze te bon va autant mi tuna no dole la ngonga na si. OK be ya no ezali meke me yo le lingonga bon. Tando ike za pe ngonga li kabote ba la sima. Trouver ta souris sur le plan pour éclaircir la population. C'est ça. Et alors, tu as dit que les alliés étaient tous à la unie pour la Mayama au sein de la S. Advocature du Congo. Tu as dit que le complot est allé total. Le complot est allé total, puis le complot est allé sur le plan international. Pour essayer de faire ça, il y a quatre écoles au Congo, tous à la soudée, tout le monde est moko. Parce que Rwanda, Paul Kagame, ma bombe est allé à la bombe pour combattre Bissot. Bolandi, Maloba, Mounde, Paul Kagame, na Benin. Morba oyo ezangi bomoto na kati côté ma propos comme si na kati ya ekolo Congo ba ike ya mabe nini keno ekolo Congo ezo ba parti ya mabele ya ni ya Rwanda ezali bongo lokuta parce que te dit que bande population rwandaise ba kima tirani na Rwanda ba kima ba trouble na Rwanda ba kuvanda to ya ba bangolo ko abande komelo ba komi ko sereka mi pe ko za ba congolais bon tant mieux je pense que constitution il y a de somme constitution à régler mais ekolo Congo atambo kete ya ko Rwanda moko akadame moto moko azanga valeur azanga bomoto et là vous nous dites quoi alors ba été na nini na Congo ezo ba une partie ma bien na kati ya Rwanda Paul Kagame aza aux avoir Paul Kagame a perdu contrôle. Paul Kagame te bakay na kabanda ko lobata osa mmande nya molili melolo na molili to kangiye. Nda komi ko bimana moyo a komi si biloba lo ba Paul Kagame tia ko bela liboma parce que Rwanda a un problème sérieux. Donc Rwanda là Rwanda a un problème de oui na komi vous terminez en Rwanda disant que Rwanda a un sérieux problème démographique. Population Rwanda se multiplie à chaque 25 ans. Maintenant vu que mabeyi na bango iza mukie. Ba comme na ba envie ba bango na lopoto ba envie. To komi ko le kamwango ngami. Hégémonique. Yo ngi solo. Papa. Bon, à Cathy, au prochain numéro. Merci beaucoup, nous étions très heureux de vous recevoir parmi nous, Monsieur Patrick Makana. Je vous dis merci. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Et en mot de la fin, nous dirons à toute la population congolaise de demeurer unie pour ne pas permettre à ce que Papaya, Baya, quoi, arracher Bisso et Kolo, Yokitoko, Mboa, Nzambe, Apesa Bisso. Les Aïsengo Mingi, Nakosa, Nakati, à Congo. Et c'est mon mine que j'en ambo kanayo ko jouir na onion faisait disponible pour nayo. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à bientôt.